tu as fait ta boucle combo, tu as amené ta boucle combo, par exemple, chez Barclay. Comment ça s'est passé? Parce que j'ai mes petites informations concernant. Mais je peux tout te dire. Ah, vas-y. Je n'ai pas amené Tabou Combo chez Barclay. J'étais tout jeune, j'étais étudiant, je commençais à peine dans le disque. Comme je dis, je suis passé par la petite porte et sans trompette, sans rien du tout. Je ne savais pas que ce serait une carrière, rien du tout. Et j'arrive. On produit Tabou Combo. D'ailleurs, si j'ai eu des relations telles que j'ai pu produire Tabou Combo à cette époque, c'est parce que Fanfan, Thibaut, je connaissais bien Fanfan Thibaut, qui jouait au football au moment où j'étais au Violette. Et il y avait une semi-finale une fois entre Violette et Racine. Et nous estimions que l'équipe du Violette n'était pas assez forte de jouer contre les Domingues, Choupit et Coucou de Domingues, tout ça. Toute cette équipe, les petits poissons qui faisaient partie du Racine. Et on a demandé à Venant. Oui. Et Venant. Chasser le naturel. Pas de problème. Et Venant qui était joué dans Violette et qui était entraîneur. Et à, je ne sais pas si c'était Python ou bien quoi, il était très un entraîneur à Pétionville. Venant, nous besoin de monde. Venant mené Fanfan Thibaut et Alfred Titus. Il était costaud, tout n'est que ça. Mais on a quand même perdu ce jour-là. Et puis, c'est comme ça que m'a toujours été amis Fanfan. Et de Boston, j'ai appelé et Fanfan une fois quand il faisait respect. Et on a eu ses respects. Et puis après, on a continué, on a fait New York City. Mais c'est, au moment de faire New York City, Tabou Combo n'avait jamais voyagé. Bon, à part qu'ils étaient partis d'Haïti pour rentrer aux États-Unis. Okay. Ils n'avaient jamais été nulle part. Qu'à Boston ou bien même pas Miami. Okay. Et à ce moment-là, tout le monde n'avait pas de papier, comme on dit, n'était pas bien documenté. Il n'y a pas de co-légal, mais il y a tout légalisé. La preuve est bien grande. Il y a tourné de tous côtés. Oui, il y a pas de co. Bon. Et en plus, à l'époque, ça. Beaucoup de jeunesse, moi. À l'époque, ça. Tabou Combo. T'es plus ou moins rendu ce que j'ai fait Vini avec Haïti, bagay, ça, au bon musique, ça. C'est un moment très difficile. Pour Tabou Combo. Oui, à un point tel que moi, j'étais même à un certain moment, j'ai joué un rôle de manager. Manager. Oui, mais il est arrivé quand on a eu fini d'enregistrer ce truc, j'ai commencé à vendre l'album aux Antilles, ça allait très bien, et il y a un gars qui était d'origine trinidadienne, qu'on appelait Christian Carbaza, okay, qui est venu me voir. Et on sortait, c'est un gars qui cherchait toujours des talents, mais ça va être intéressant, hein, ce qu'on raconte là, des talents, et puis pour emmener à Saint-Tropez en été, des trucs comme ça. Et puis je dis, bon, je me suis mis d'accord avec Christian, on le fait. Et puis, quand je fais gravure, parce que je suis un master, et on gravure, c'est mon test pressing, mais on gravure pour on matrice. Pour le non, pour l'aller, parce que c'est idéal, parce qu'on n'a pas qu'à vendre en musique internationalement à partir d'Haïti ou bien à partir de New York. On n'a pas quitté marge de promotion et l'on fait ça. C'est ce qu'on appelle une licence. Okay. J'ai fait une licence avec lui. Ah, ok. Il avait une licence alors. Il avait une licence. Okay. Le gars, comme moi-même, petit haïtien, tout jeune, nous élevons nos pays côté personne, pas fait personne confiance. Dans mi-temps Manhattan, dans 53e. Et puis, monsieur Matrice là,
Et puis monsieur a traversé Bordeaux. Monsieur dans 42e connait. Non, monsieur la personne. Yeah. Et puis monsieur a traversé la rue à pied, moi m'pral prendre machine, moi m'pral rentrer dans machine là et puis ou pas comprendre que Goli de Cap dit couri de monsieur aller bas là dans même pas bas encore. Pour qui ça? Parce que ou pas comprendre le principe que ou prend un produit que ou vin dépenser yeah. La dernière, li gon bonne responsabilité et puis qu'on y a ou pas on l'autre négli. Et puis nèg la gè doit li fait trois plaques. Tout à fait. Ou comprenez? So le qu'on y a mais il y a des gens qui diront que oui, il y a même des musiciens qui diront que on a vendu 1 million d'albums. Mais à cette époque, mais on l'a dit, mais il faut qu'on sache qui pays qui prend le 20 millions d'albums et puis milieu musical là pas connaît que ça a son bon coulier puis au plonger sous lui. Tout à fait, ouais, ouais. Et ça qui passe avec 10 millions pas de vendre vraiment. Mais qui je vais mis 100 000 albums sont 10 titres d'or oui que lié en France. Ouais, je sais. Et bon, 1 million c'est comme ça lié. Ce qui ça le taille là. Bon, il t'a plus que ça. Et vous voulez dire que après ça et puis yo dit que bon million albums gè bay comme ça. Ça qui pique comique là c'est que mais après finalement, le gars, il a emmené ce truc à Barclay. Okay. Et ça a bien marché. Quand on dit que ça a bien marché, on veut dire que Tabou Kombo était dans le classement Hit Parade. C'est pas avec parmi Exile One. Non, parmi, non, même pas. C'est pas Experience. C'était parmi Barry White. Yeah, les Européens. Tennessee. Oh, Barry a été get a lot boy. Oh, Tennessee, Barry White, l'état indien de Dassin. C'est, oh, wow. C'est son bagage. Vraiment, c'est on réussit. Mm-hmm. Mais nous tous pas qu'on est. Mais le pire, est-ce que si mon petit bagage négatif pour me dire, son pote qui est ouvert, et jusqu'à présent, très jeune, alors que Tabou Kombo pote que j'aime quitter États-Unis, très jeune, yo get a sous carte mondial là. Bon côté que vous connaissez. Ok. Ou imaginons, qu'on y a si on est à dit tête, m'a pas occupé. Parce que, avec du recul, je peux dire que j'avais pris la bonne décision. Ok. Et je vais faire un autre parallèle. Même époque ça après, m'te gon petit groupe qui était grand haïtien là dernier que l'homme de Boston que t'es les Actual Proof et puis monsieur t'es ça a été les Paul Ogu il était joué keyboard et puis c'était époque Patti LaBelle fait voulez-vous coucher avec moi ce soir bagay. Et puis me fait petit groupe ça entre en New York m'entraîne dans Record Plainte m'enregistre groupe ça à tel point. L'homme fait enregistrement, ça m'a invité, Fanfan Tibot, vin jouer tambour sous musique ça. Musique jazzwa? Oui, Actual Prof. Oh, ouais. Ben, m'a dit, Fanfan doit attendre. Je fais Fanfan Tibot et jouer sous lui. Et, est-ce qu'on connaît que l'homme fait disque là, je pote dans Polydor, qui là ça t'es gain James Brown là Danny de Who bonne bye ça me chite avec vice président Polydor là et puis monsieur dit même OK m'a prendre mais faut me boire thème que m'était développé là et pour comprendre ni son Patti LaBelle te dit voulez-vous coucher moi me fait balancer si vous voulez danser. Et c'est là, quelques temps après, que Fofa reprenne ni. Ça ne va pas même dire. Ah bon? Mais c'est ça, mi pam. Ah, ça veut dire que ti mélodie ça. Ça, c'est pour moi, ni. Oh God, that's crazy. Je suis content de mélodie ça dans tabou. Balancez. Non, c'est pour monsieur. Vous comprenez? Mais oh God. Pour me dire que, pendant que je ne pas de faire, je pense que je ne pas de faire, l'homme te baille licence tabou. Même fait ouais moi-même pourquoi moi l'homme rivé dans Polydor yo kembe
produit à la mer, parce que c'est son chance inouï. Ah, parce que très souvent, on est fourré dans le panier fatra. Yeah, yeah, yeah. Et puis, monsieur dit, ok, ma prélo, il prend un mois comme ça, il doit faire voyer dans tout, et puis, il voit, et puis, monsieur, il est bonjour, monsieur dit, vini. Et puis, monsieur offre moi, monsieur dit, ben, moi, comme front money, avance, $1,500. Je dis non. Je ne vais pas accepter. Pour les deux. Parce que je dépense. Eh bien, c'est là ma vie. Ouais, je suis que je débat à vous comme bois. Et puis, on porte quoi ça ouvrir. Propre. Et puis, je ne vais pas aller. Et puis, je ne vais jamais faire la musique ça. Mais il faut prendre. Bon. Mais pour les deux, c'est. Même le bon dernier bagaille qui compte. Pour les deux, c'est pas un coup qui a mis dans la projet Motown. Ah, on peut expliquer. C'est moi qui chita dans le là où même votre coup fait. Oui, tout à fait. Et même sous même rubrique ça encore. Je l'autre. Ya, je considère l'on erreur, mais comme le tabou t'a plein, je me rencontre avec Bruno Cocatrix, Park Avenue. Qui est-ce qui est Bruno Cocatrix? C'est Bruno Cocatrix de Olympia. Oh, ok. Les vignes, moi, et Tabou Kombo a été aux États, et m'a dit, en France, à fond tabac. Et puis, Bruno Cocatrix, qui était avec moi, c'était un concert Roda Scott qui était fait à l'Olympia. Okay. Et il était voulu Tabou Kombo ouvert. Olympia de Paris. Olympia de Paris, depuis en 77. Wow. Vous avez vu le tabou combo ouvert, c'est un truc. Un bon compte, ça qui passe. Monsieur offre $1,500. Je ne vais pas prendre non plus. C'est là que vous ne pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous mettez nos positions côté que. Et pourtant, quelques temps, des années après, je vais tabou combo dans les 10 ans de Marley. De la mort de Marley à l'occasion des 10 ans, Rai Television, relais moi, et puis, m'baye, on compte, Tabou Kombo en contrat. Même bien pour me dire, c'est le seul groupe haïtien que moi-même, m'ka prendre responsabilité pour lui. Parce que si moi, les fofo me dit, fofo, tel baye, fofo, dit, vas-y, li pa gen interférence. La fête. Mbaye Tabou Kombo kontra en Italie souvle vérifier non warele wa Fabrice Adjo oui de vous dire à la télévision on est en ouais que c'est Italie laisse tous les membres étaient là même CD là était là bouc et m'a dit prend la femme de Marley. Là on commence à jouer toute famille a commencé à jouer ensemble bah ça il prend exactement 20 minutes pour te accorder. Okay. Ça fait exactement deux occasions uniques. Bagay ko pa ka jwenn sou tè qui présenté à vous-même et ou refusé. C'est non mais c'était de l'ignorance. Mais justement c'est ce que j'ai et de la haïtianerie. Non, c'est tu sais, j'ai voulu apprendre aussi parce que quand j'ai fait la licence de Tabou Kombo, j'étais le premier à le faire. Et comme je te dis, avec Jean que haïtien pensait, ou pour un bail, ou fin dépasser comme Feli, et pour la gueule dans mon nez, ou dit la lavelle, haïtien va dans bail ça même. Ouais. Ça veut dire que vous pensez que si vous avez accepté $1,500, est-ce que vous pensez que Nego t'a pensé qu'il y avait plus d'argent? Bah, bon, ça, on parle de musique. Non, ça, c'est pas. Qui ton psychologue qui cap vivre avec plus dans le milieu a fait. Dis déduction, on pas besoin de dire ça, c'est pas m'pas jamais penser ça dans tête moi. OK now. Mais il y a possibilité ça tout. Tout à fait. Tout à fait. Nous compte qui gens toute nécessité sous mandelé. Me fait on disque avec toute nécessité. Mal enregistré non studio côté Isaac Hayes. Tu qu'on a enregistré. Yeah. Donc côté télé et qui chantait encore Maxi Sound. Recording studio en Atlanta. Je conduis mal enregistré, toute nécessité là. Et en moi, madame, la police, m'a pas dit bagaille ça. Da, 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 da. Bah, en gros, musique. Et puis, je retournais
Manik sorti album là. M'voyé en France. Li rivé en Afrique. Toto tout d'un coup était devenu le nécessiteux. Et tout le monde rime album là. Kounia m'rel yore les mains pour nous jouer en France. Ouais, mais c'était normal, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi besoin ça. Et pour moi jouer en France. Bon nèg qui dans production toi à l'époque. Bon. Qui expliquait Toto que si je la bois, si m'a balle à l'époque oui, si m'a balle $10,000, ça veut dire me gagne 30. Et puis même qui pour non, Kaboba, le fait comme ça, mais Toto te dira lui-même que c'est plus gros erreur que le fait. Seigneur Jésus. Bon, passons là, qu'on y a notre tripotage. Bon, non, pas c'est pas le tripotage, Fred. Faut nous qu'on bagaille. Par exemple, laisse-moi te dire, et j'ai ma petite information concernant Barclay. Ma retourne sur Barclay. Par exemple, tu m'as donné deux informations extraordinaires, deux informations capitales que personne ne connaît. Moi-même, je ne connais pas. Mon capitaine, je ne connais pas si je connais, mais moi-même, je ne connais pas. Pour l'idée, là. Et puis l'autre Olympia depuis 1977 tabou t'as supposé jouer à Olympia ouvri pour Oda Scott on organise ouais. Et qui fait jazz qui joue à Moon Beach oui bah il se trouve que c'est l'autre jour là il y a peut-être 8 ou 9 ans de cela que tabou réussit jouer à Olympia par le truchement de un producteur portugais qui t'est fait. Oui, mais est-ce que vous comprenez que à 24-25 ans d'âge, autant où font bagaille, nous tout à pas prendre. Parce que je ne suis pas né producteur. Mais mettez-moi en position, moi-même, me lever dans une famille qui académique, very inclined. Vous comprenez, je ne peux pas permettre de faire n'importe quoi. Si je choisis de faire musique, je vais faire musique. Je vais faire le jeu que je fais avec the best of my ability. Tout à fait. Man. Extraordinaire. Je vais retourner sur le dossier Barclay. Apparemment, c'est toujours ignorant ce qui fait que. Parce que j'ai oui dire que, de la part de certains membres du Tabou Compo, que. À l'époque, Motown, Tebay, The Jackson 5. Parce que tout monde qui était en bas, Motown, Michael Jackson, Michael Jackson était quitté Jackson 5, tout le monde a gagné 8%. De Commodores, Lionel Richie, 8%. Apparemment, est-ce que tu as été toi-même de façon personnelle? Mais 8% sont top liés. Gain monde c'est 4, tu prends. Justement, j'ai pas terminé. Est-ce que tu as été, par exemple, toi-même, personnellement, négocier avec Barclay? J'ai jamais négocié avec Barclay, c'est ce que je te dis. La deuxième fois où il y a eu une négociation avec Barclay, les gars du Tabou Combo étaient sur la table. Justement. Mais moi, j'ai négocié avec Christian Carbaza. Ah, ok. J'ai bien dit, hein, okay. Christian Carbaza. Ok, bon. Et même sur l'album, c'était écrit Carbaza. Bon, question n'a pas vraiment raison d'être encore. Parce non, que... mais depuis que je me fais parcours là, je me dis que ce sont ressortissants et trinidadiens que monsieur Théé. Et vous comptez, j'en donne un ça qui. Je vais vous dire c'est gratteur parce que c'est business là. Fait. Ouais, tout à fait. Les cap gratteurs, les cap brasseurs, les cap tout le bagaille. Les brasseurs. Mais ils sont professionnels. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Il connaît les DJ. Il investit. Mais tu n'avais pas confiance en lui à 100%. Mais j'aurais pas confiance à qui que ce soit. J'aurais pas eu confiance à qui que ce soit. En qui que ce soit, tu vois. Parce que. Et c'est. Son réflexe lié. Ouais. Peut-être qu'il était qu'à venir de mes côtés, mais puis je ne vais jamais bailler. Oui, tout à fait. Et puis, il n'y aurait pas New York City. Il était passé dans toute l'autre musique. Parce que Tabou Combo pas fait New York City parce que il était connu que tu as pas passé en France, que tu as passé son côté en Europe. La preuve en est bien grande. Prochain album que vous faites, Follow Up là, vous faites Inflation en général, ça n'a rien à voir. Oui, parce que l'autre, comment je peux dire
rythmiquement parlant, il était différent de... C'est-à-dire que, tu sais... Il était plus allé vers le côté latin, il était un petit peu... Non, mais tu sais, tu n'as pas trop de choix. Quand tu fais un succès, un tube, tu cherches à savoir les ingrédients qui font marcher le tube, et puis tu dupliques. Ou dupliquer. Bien sûr. Ok, c'est comme ça que le fait. Chaque monde qui est pas que les Barry White a joué, tout le monde a semblé. Le game Barry cap marché. Tout le monde c'est comme ça. On dit souvent que routine, on est toujours. Aïssé, on dit, monsieur, sans routine, c'est même Barry l'a fait tout le temps. Hey, c'est pas donné à tout le monde de faire une routine. Quand ça marche, faut priger jusqu'à dernière goutte là. Mais, sous intelligent, ou déjà, à peine filtré. Next bagay la laisse pas bon quoi. Next koto pour aller à on travaille sur lui. Après ces trois tentatives. Les tentatives sont devenues beaucoup plus rares. Et presque inexistantes. Inexistantes même pas plus rares. Yeah. Inexistantes. Yeah. Le marché a changé parce qu'on produit et on ne travaille plus sur des artistes maintenant. C'est-à-dire que longtemps, Wall signe avec une compagnie américaine, ils signent pour 7 ans. Ou qu'ils doivent être sous 6e année à courir si passé. Et c'est ça qui fait l'on passe tout. Ou tellement de trucs qu'on fait que vous pas sorti. Après, sous mourir, c'est là ça on met de côté bailloté et puis on commence à branler tout ça en fait mettre dehors. Bon, est-ce qu'on va pas franchir ce palier? Est-ce que nous pas partir? Mais tu sais moi, je t'ai bien dit au départ que j'étais à la sortie de ma carrière là. Non, c'est fini, non, Fred, à nous clair, est-ce que nous pas est-ce que nous te mettons tout plier bagage? Pas rien plier bagage du tout. Tout autant que Timon a fait a une nouvelle musique. Oui, mais on est en train de perdre la musique là. Pourquoi on perd la musique? Il y a du monde qui pourrait aider quoi. Où est-ce que vous n'avez pas vraiment? Qui c'est que vous voyez? Vous faites 10 ans, vous faites 10 ans en dehors de la musique, en dehors de tout ce qui se fait. Jamais. Eh bien, tu vois ce qui se fait. Jamais, tu sais. J'ai de bonnes relations avec certains musiciens. J'ai de bonnes relations avec Nick Henson et Prudhomme. J'ai de bonnes relations avec Richie, j'ai de bonnes relations avec Nixon, j'ai de bonnes relations avec Gazman. Denner, je connais Denner. Je ne peux pas dire qu'on se voit régulièrement, mais on se parle, on se connaît et on se respecte. Okay. Oh, vous êtes déjà vu et, ah, mais non, je connais Denner. Vous parlez ou pas aucune approche qui fait de part et d'autre. Non, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais. Denner, m'entendez ça Denner fait depuis avant même que Denner t'es Denner. Vin éclaté. Éclaté. Tout à fait. So, je connais le grand talent. Bon, c'est des moments que Denner était pas même voulait jouer musique haïtienne en époque. Yes. Côté que lui pensait que tu as trop de bêtises qui t'a dit. Il était très chrétien. Il était ceci, ça. Moi personnellement, au comment de Denner, je l'ai appelé. Eh mais il peut te dire si je ce que je dis c'est faux. Je l'ai appelé, je lui ai parlé au moins 45 minutes pour lui dire que si bon Dieu, bon mon talent c'est pour partager, ou pas gain droit dire ou pas jouer encore. Ah. Mais fait ou t'a met dit mandé si c'est pas ça me dit. OK. Dernier bah là n'a dit n'a salué dernier mais on connaît que tout ça me suis touché pendant un certain temps depuis au moins une dizaine d'années tout ça le moyen venir là.